Donc je les pense pour l'épisode 9. Donc là je vais aller à une boutique parce que faut me racheter des trucs. Voilà. Alors, consommable. Promède. On a acheté deux. Je vais faire une mission après tout de suite. C'est parti. Attends, par contre, je veux vraiment aller voir le coffre en or, il m'intéresse. Comme il est en main. On attend. Ah ça je l'ai déjà utilisé. Je voulais... Oh il m'a mis un de vie. C'est quoi cette saloperie? Cette saloperie, prends aucune vie. Je me mets avec eux, tu vois. Oh mon dieu, la tête! Oh, il a pris cher avec le coup de fusil, mais t'as vu le coup de fusil que je me suis ramassé aussi? C'était violent. Et là, je peux tout m'acheter là. Oh, le truc que j'ai vandalisé là. À 1500, je rentre à la boutique hein, direct. Je rentre à la boutique direct. T'as 1500 florins au calme. C'est quand même cool ça. J'ai noté ou quoi? Je vais aller là. Voilà. 140 mètres. Ok. Et quand même, c'était vraiment le jackpot. 1500 florins au calme. Bah, francs, florins. J'ai encore en dans la suite de. Dans Venise. Je crois que c'est des florentins. 1500 francs. Ça fait beaucoup, même beaucoup d'argent. Très beaucoup. Allez, je peux m'acheter un truc. Je vais me racheter déjà tous mes consommables parce que j'en ai besoin. Bon, je vais mourir parce que vous m'avez vu, il m'a un demi-cœur le truc. On serait Minecraft sur un demi-cœur là. C'est qui, il me restait 0 de vie. On y va, on peut jeter là. Ah, j'ai des sous, mon petit gars. Et 4000! What? Pour ravitailler. Grenade intelligente. Je vais tout acheter. Hein. C'est la fête. J'ai bien fait de le prendre, hein. C'est vraiment qui m'intéresse à ce truc. Sur la munition. 4 remèdes. Attends, je me rappelle dans Black Flag, ça va arriver comme ça aussi ici. J'avais 25 remèdes, je crois, un truc du genre. Bah, tu sais, j'étais avec la dernière bourse aussi. 5 crochets. Arme. Quoi que coûte DV.
Ouais, c'est ça. Je l'améliore. Je sais pas, ça sert à quoi de l'améliorer trop, tu vois. Mais... Bon. Dégâts supplémentaires, moins 25%. Ah non, non, pas moi, c'est 25% de dégâts. Ah ouais! Ça, c'est cool, ça. Tac. Arme lourde, je l'améliorer, ouais. Arme longue. Arme à une main. Dégâts, c'est. Les mêmes dégâts, mais il y a plus de vitesse. Coûte 1000 florins celle-là. Le cimetière. Ouais. Ça coûte combien? J'achèterai le florin en fait après. Je vais m'acheter le florin après, je vais économiser 1000. Essayer de voler encore un petit truc. Attends. Personnage. Parce que moi je suis un voleur maintenant dans le jeu. Dans Assassin's Creed, je vole tout le monde. Oh, c'est bien. C'est plus simple. Personnalisation du personnage. Formation de l'équipe. Compétences. Corps à corps. Toi qui voudrais une machine. Je la lâcherai plus tard. Elle est bien stylée celle-là. Par contre, je voudrais m'acheter un fusil à pompe. Ça marche comment? Ah, c'est rare, rien. Ouais, il mâcherait énorme. À une main, je vais m'acheter le fleuret après. Le fleuret. Ça marche comme ça. Ah d'accord. Ça, je l'ai déjà. Déjà téléchargé, mais. C'est pas téléchargé. Ah, d'accord, voilà, ça voulait pas le télécharger. Aussi. Ah, et bon, c'est bon. L'arme qui me fait le plus bander, c'est la. Ah, les pistolets sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Je voulais savoir l'heure aussi. Le truc Ether One, je veux même pas jouer, toi j'y joue, mais vas-y. Donc là, je désarme. Là, j'ai de nouvelles armes normalement. Dans préparation, de l'équipement, dans armes à une main, j'ai de nouvelles armes. Non, mais pas terrible en fait. Vas-y, j'ai payé 1€ pour cette merde. D'accord. Dragon de fer.
Et prendre le troublon, il est trop bien sûr. Pistolet. Je veux m'acheter celui-là. Ouais non, il est nul. Arme lourde, je dois bloquer celle-là. Bardiche du peuple. Arme longue, j'aurais débloqué un truc. À une main. Comment si tu vois que je l'améliorer et je la prendre parce qu'elle est tellement belle cette arme que voilà. Je vais pas débloquer un mortier là. Non. Parce que après, j'ai de l'arme que je vais m'acheter. C'est sable du long, sable de la cavale légère, fleuret. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a débloqué d'après, tu sais? Peut-être. Hein. C'est sûr qu'on peut briser un crâne, ça se voit. Ah ouais. Oh le bordel. Pur kitsch. Je vais acheter celui-là après. Peut-être que je vais l'acheter maintenant, hein. Je vais aller le faire. J'ai pas le gros troublon. Seigneur, quelle heure est-il? Me fait demander ça alors qu'on tire dessus, tu sais. Vas-y, crois sur ma tout racheter. Juste pour ce système. Seigneur, quelle heure est-il? Je crois que j'ai l'heure sur moi, sur mon arme, c'est de cassos là. Je vais rigoler ça. Bon allez, maintenant on va faire autre chose. Je vais aller encore chercher des coffres parce que je vais m'acheter des sous. Je vais avoir des sous. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres coffres? Déjà, attends, je vais faire un truc avant. Point d'intérêt. Je vais aller là. Non, j'ai déjà fait là. Peut-être pas, non. Ah non, attends, ça ficherait pas. Comment ça, c'est une arme? C'est une arme? T'es fucking sérieux? T'attaques avec ça? T'attaques avec l'arme, c'est de la merde, c'est ma gueule. Je veux pas attaquer une arme, je peux attaquer avec un fusil à pompe et t'arrêtes. C'est de la merde. Oh, je commence. Thank you.
c'était juste pour tester. Hein. Non, on pouvait pas faire ça. Bon, j'aime pas ça. Je sais pas, c'est débile. Je crois. Ah bon, ça marche pas comme ça. Attends. Je le mets dans un pistolet. Bon, voilà. J'ai eu un pistolet. Je rachète tous mes trucs. Bon, là, et je vais me barrer après cela. Ça va bien à tout moment, mais. Ça va bien de foutre le bordel, mais s'il faut, faut jouer un moment. Et je vais aller chercher des trucs. Après, bientôt, je gaspille bientôt tous mes trucs. De batterie encore si je peux changer après parce que maintenant en fait j'ai découvert qu'il y a un fil tu vois donc mettez à changer tout de suite du pire hop je suis tranquille sûrement me bourrer de ventilo si vous entendez sûrement pas tant mieux ça je veux rien tac et voilà voilà remettre de crochet c'est bon on est parti il reste combien de temps de rendu si en fait je suis rendu en même temps tu vois 40 minutes, ok. Bienvenue, cher client. Je parle pour moi. Je suis en tout cas. Il est déjà fait. Bon, non, je vais aller à mon point là. Quand ça me fait chier là, je vois rien. On est marre de dire tout. Le truc. Je sais pas comment on a eu le truc. Ça sent livre. Ah c'est des livres. Oh, c'est des francs. Moi je suis beau. Je suis ce connard. Attends. Voilà. Et mon corset. Je parle de son corset. Ah oui. Ah, j'ai jamais fait ça. Tuer la cible. D'accord. Je vais le loquer, tu vois, et puis je vais le tuer. J'aime pas quand ils font ça, putain. Où il est là. Qu'ai-je manqué? Dans ma porte! J'ai prévu de t'arracher les boyaux pour décorer le pont neuf! Révolutionnaire! Voilà! Comment se faire des sous facilement? Calmez toi. Tu m'énerves.
Faut que je recharge mon petit pistolet. Je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Sur 10. Ok. Faut-tu l'autre connard là. Coupez la gorge. Alors non, je vais aller sur le mec. Je veux aller sur le coffre, je veux dire. Le coffre qui est là-haut. Normalement. Bon, t'arrêtes de cibler. Attends, en fait, je crois que tu fais X. Ouais, faut rester appuyé, si vous savez pas, si vous restez appuyé sur le bouton X, ça enlève le marqué cible. Oh, parce qu'en plus, tu vois, j'avais une Xbox avant, j'ai une Xbox toujours. J'avais peur de pas mettre ma manette, la manette, mais en fait, c'est en plus de temps, tu vois. D'où le coffre. Cloche d'alerte, mais y a des ennemis. Non. Saboté. Que t'es sabordé. Bah le blanc. Un petit coffre. Combien? C'est bien. Je veux monter s'il vous plaît. Tellement bien la société, tu vois, t'es tellement libre. Par contre, ce que je fais avec la PS4, c'est que... Bon, ça lag, mais bon, je sais pas, c'est fluide quand même. Ça va. Avant, il y avait un pote à moi qui m'a dit que c'était pas fluide, mais pour la mise à jour, bah, c'est vrai qu'il y, a pas... il y avait des bugs surtout. Là, c'est pas bugué, tu vois, c'est tellement beau. Il est beau ce jeu quand même. Ouais, que j'aimerais bien jouer en 30 FPS, mais voilà quoi. Bonjour. Bonjour. Ça j'arrive bizarrement. Mais bon. Faut tout racheter un peu, toi. Est-ce que j'ai des. J'ai 1000. Moi je pourrais m'acheter. Oh, j'ai 2000. Parfait. Je vais m'acheter tout. Mon petit ami. Et je vais m'acheter le petit fleuret. Qui est au calme, tu vois. 4 munitions. Est-ce que j'ai on peut pas acheter les. Essayer peut-être d'acheter avant le fleuret. Apparition de l'équipement. Équipement. Est-ce qu'on peut pas acheter des couleurs? Il y a vraiment que ça. Non. Tête. Poitrine. On prend beaucoup plus de santé. Les avant-bras, ça fait quoi en plus? La santé encore en plus. Je vais tout m'acheter en fait. Hein. Je peux m'acheter celui-là, puis je vais m'acheter le fleuret en arme. Arme à une main, le fleuret qui est je ne sais où. Voilà. Le petit fleuret. Coûte 1000 l'amélioration quand même. C'est pas grave. Attends, c'était quoi là? C'était marqué quoi? Découvrez comment c'est joué. Plus d'infos. Allez, à. Après des résultats maximum, quoi. Présent, profiter au maximum, vous allez combiner. C'est la communication, je vais vous attendre. Ah, j'ai regardé la vidéo, tiens. J'ai voyé une vidéo en même temps. Hello, Assassins. I'm Alex Amancio, Creative Director on Assassin's Creed Unity. In this game, we made the Brotherhood spirit come to life with cooperative missions scattered all over Paris. Unite and work closely with friends to become the French Revolution's greatest assassin. All co-op missions are unlocked at the beginning of Sequence 3.
To launch a co-op mission, you can either use your progress tracker or your unfogged map. Before starting any mission, make sure its difficulty rating matches your character's level. Unless, of course, you're looking for more of a challenge. Okay. Co-op missions are based around important events of the French Revolution and are given to you by the Assassin's Council. Ah, j'ai Napoléon Bonaparte. Completing a co-op mission will give you a number of sync points. But you can also find more scattered around the mission area. If you get close enough, they will appear on your minimap. Use your eagle vision to spot them more quickly. Heist missions put your stealth skills to the test. You must infiltrate a given zone, steal the treasure, and escape unnoticed. The longer you remain undetected, the bigger the reward. Heist missions randomize locations of enemies and chests. This way, you will have a different experience from one session to the next. Only players who work carefully can hope to maximize the reward from a heist mission. Synchronize with your teammates to lure guards away with the cherry bomb. And create a safe path. Or the opportunity for a stealth kill. This is tedious. Bon, j'ai voulu jouer avec moi aussi. N'hésitez pas, si on veut faire une mission coop, ce serait très bien. Jetez-moi. Pseudo, c'est bien en haut à droite là. Date of Gamer. And can only be equipped one at a time. Assemble a team that combines those four complementary skills to increase your chances of success. Oh, mais c'est qui tout ce connerie hein. Oh, je connais ce groupe, les clubs, c'est comme une crew. Being part of a club helps all players progress in their cooperative and single campaigns. Make sure to join one early in the game and recruit many members, since all actions influence the progression of the club as a whole. Complete objectives, achieve missions with club members, and participate in recurring club competitions to multiply your creed points and unlock exclusive rewards. So there you have it. Some tips on how to get the best from your co-op play. And remember, teamwork is key. D'accord. Alors, ma confrérie. Ah, je veux bien. Ah, si, j'avais toutes les vidéos parce que là, ça m'intéresse. Comment devenir avoir du skill. Oh là là, le délire. C'est pas vrai. Hello Assassins, I'm Alex Amancio, Creative Director on Assassin's Creed Unity. In this game, we've worked hard to reinvent the fight system of Assassin's Creed. Today, we're going to look at some tips and tricks that'll help you have the upper hand in combat situations. Always remember that for an assassin, observation is key. Before getting into a fight, always assess how many enemies you'll have to face and how powerful they are. You'll quickly notice defense has considerably evolved in Unity. We've traded the automatic counter button for a deeper system, which gives you an added tactical angle. The parry move will be your number one defensive option. When attacked by an enemy, press the parry button to avoid being hit. It will protect you from harm, but could leave you unbalanced and unable to assess how many enemies you'll have to face and how powerful they are. You'll quickly notice defense has considerably evolved in Unity. We've traded the automatic counter button for a deeper system, which gives you an added tactical angle. Awesome. The parry move will be your number one defensive option. When attacked by an enemy, press the parry button to avoid being hit. It will protect you from harm, but could leave you unbalanced and unable to strike back right away. However, if you hit the parry button precisely at the right time, it will result in a perfect parry, deflecting the hit and temporarily stunning the enemy, giving you the opportunity to deal additional damage. The window to perform a parry depends on a variety of factors, including the nature and quality of your weapon and the enemy you are facing. You will not be able to use the perfect parry against the most powerful enemies. Oh, c'est stylé ça.
dodge. When parrying is not an option, rely on Arno's dodge movement. Press the dodge button to avoid the enemy attacks by rolling away. Dodge is also a very useful trick against heavier attacks or to avoid gunshots. Make sure to wait until the right time to perform a dodge. More powerful enemies will anticipate the move if you do it too early. Dodge is also a great way to move around quickly in a fight and to position yourself for the perfect strike. Comprenez votre mémé. In Unity, you'll face enemies that are smarter and more coordinated than ever. Learn how to read their movements and detect when an enemy is starting a heavy attack to react with a timely dodge. Ouais, les gros. When confronting a group of coordinated enemies, one of them will often take a step back and draw a long-range weapon. You can quickly identify him by the icon above his head. Make sure you take him down before he fires a shot to avoid damage. So there you have it. Some handy tips and tricks to strengthen your defense and focus your attack in Assassin's Creed Unity's new combat system. Okay. On va regarder toutes les vidéos, tu sais. C'est tellement intéressant aussi. Par contre, tu peux te mettre automatiquement. Comment dire. Hello Assassins, I'm Alex Amancio, Creative Director on Assassin's Creed Unity. For this latest installment of the Assassin's Creed saga, we've put a lot of work into making a deeper stealth system, setting a new standard for the future of Assassin's Creed games. Ouais. Remember that for an assassin, observation is key. Rooftops tend to offer the most tactical view and are generally safe. Assessing the number of enemies, their strengths and weaknesses, can help you choose alternatives to combat. This place is heavily guarded. Trying to fight our way through would probably end badly. Instead, let's sneak through and remain undetected. To help you remain stealthy, use your eagle vision to mark nearby guards. Identify their patterns and spot possible cover areas. It's possible to go from cover to cover quickly and discreetly by using this button. C'est quoi ça? The line of sight is the most important element of the detection system. When an enemy sees Arno, his awareness level changes, as indicated by the yellow box above his head. An arc around Arno duplicates this display to indicate the enemy's location when they are not in his line of sight. If you linger in an enemy's line of sight, the icon above his head turns red, and you will actively chase Arno. When this happens, try to break the enemy's line of sight as quickly as possible. If you manage to do it, a static silver ghost will appear showcasing Arno's last known position. You can use your last known position to your advantage. Lure a guard in, sneak up behind him, and take him down silently. Ah ouais, le bruit. Sound is another way enemies can detect Arno. For example, if you fall from high ground, the noise you generate will attract nearby guards. Higher level enemies can detect you more quickly. To prevent this, equip yourself with gear that boosts your stealth. Compétences. Sync points represent Arno's progression as an assassin and can be used to unlock skills. Open your skills menu to acquire useful stealth skills, such as blend. It will help you remain undetected. The ability to crouch is another new feature in Unity. It makes Arno harder to spot and more silent, thus reducing his chances of being detected. Crouching is a powerful tool when sneaking around in deserted areas, but will make you stand out when moving around in a crowd. Consequently, crouching with a blend group will actually cancel the blending effect. There you have it. Some handy tips to help you become the stealthiest assassin out there. J'ai compris ça. Ah ça je dois bien rejoindre un club.
C'est ça que je veux faire. Je peux l'appeler comment? J'aurais pensé à FKG Fresh Night Gang, mais bon, ça fait con. Les coller, ça va faire mieux. What? T'es sérieux? Que j'ai utilisé. C'est con. French. Je l'appelais Boom. L'appeler comme ma team. Et non. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je manque sur un nom random, je sais rien du tout. Comment l'appeler? Quoi, ce pseudo chou? Luzrod. Je vais l'appeler Cog. Puis voilà. Personne ne s'appelle comme ça. Pourquoi si on s'appelle comme moi, c'est pas possible. Coquin de 3, je m'en bats les couilles. Coquin, oh là là, c'est quoi c'était bon, je peux pas choisir, je peux rien choisir. Cog. Je vais me mettre en X. Voilà. Je sais pas pourquoi je me ça. Allez hop.
Oui, j'ai compris. Bref. On se revoit pour l'épisode suivant. Ça fait déjà 40 minutes, ça fait trop long. What? Mon jeu a crash. Oh merde. Lol, j'espère que ça a pas fait tout bugger. Fait chier. On se revoit pour l'épisode suivant. A plus. Peace.